can count on you to throw all your crazy feelings when I'm hurt and blue. I can't believe that you're for real, always pushing the wrong button and say you're here for me, but you're here to keep me hurting. Just my alibi that I don't need no one. Bonjour Marie. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi pour cette interview. Bah, je vous en prie, bienvenue. Est-ce que vous nous parlez un petit peu de Mode Trotteur? Alors, Mode Trotteur, en fait, c'était un multimarque jusqu'à il y a un an et demi. Donc, on vendait les marques des autres. Et depuis un an et demi, on a lancé notre propre marque, donc on a totalement arrêté la fonction multimarque et maintenant on a créé et lancé la marque Mode Trotteur. Donc on fait nous-mêmes nos propres collections. D'accord, donc c'est plus ciblé vêtements. Ouais, vêtements, accessoires, et on fait 4 collections par an. On fait vraiment printemps, été, automne, hiver. Et en fait chaque saison, enfin pour nous, donc ça dure que 3 mois, tourne autour d'une ville. Donc on a fait Mexico, on a fait Comporta, Dallas, et là on est sur Bakongo. Sur le thème des sapeurs. Génial. Ouais, vive la couleur. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler de ta dernière collaboration avec... Alors, les dernières collaborations. Là, on sort une basket avec Veja, ouais, qui va être assez marrante, très colorée. On sort une doudoune avec Damar, sur le thermolactyle, qui va être assez rigolote aussi. On a une collab en cours avec Le Monde Sauvage en termes de déco. Et je crois que c'est tout ce qu'on a dans les tuyaux de sûr pour le moment. Après, il y a des petites choses encore en phase de négociation qui pourraient être très sympas. Ouais. Bon, alors maintenant, on va passer un petit peu sur la beauté. Est-ce que tu peux nous parler de ta routine du soir, s'il te plaît? Alors, le soir, je commence toujours par me démaquiller les yeux avec... Alors, c'est pas du tout un démaquillant. À la base, c'est une huile pour le corps, pour les bébés. Je crois qu'on a du mal à la trouver en France. On l'a trouvée à un moment dans les parapharmacies. Donc je les ramène d'Espagne, d'Italie, des États-Unis, partout, où je les fais ramener. Donc tu mets juste ça sur un coton, hop, tu passes comme ça sur les yeux, t'as plus rien, c'est génial. Donc ça, j'aime beaucoup. Moi, ça m'énerve là quand t'as le mascara qui reste pendant des heures et des heures. Je déteste. Bon, à la fois, je mets pas beaucoup de mascara, voire je n'en mets jamais. Mais quand même, ça me rassure d'avoir mon petit litre de baby oil. Ensuite, je mets ça. Mais ça, c'est ma petite nouveauté. Donc, c'est un baume, mais qui se transforme en huile au contact, quand tu en mets un petit peu dans tes mains comme ça, en frottant avec la chaleur. Et petit gadget supplémentaire, tu nettoies avec ça. Donc ça, moi, j'adore. Hein, tac, 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 tac. Ensuite, je rince. Et moi, j'ai besoin, pour me sentir propre, d'eau sur le visage. Les filles, là, les top modèles, là, qui t'expliquent qu'il faut mettre de l'eau micellaire sur un coton, moi, je peux pas. J'ai l'impression de rester sale. Et surtout, j'ai l'impression d'utiliser 200 cotons, alors qu'avec de l'eau, tac, 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 de l'eau, et c'est terminé. Enfin, c'est moyen terminé, parce que après, en vrai, je mets ça. Donc, la mousse nettoyante. Donc, j'en mets dans les mains. Ça, j'ai l'impression que c'est comme de la crème chantilly. Là, tu mets comme ça, c'est tout doux. Hop, 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 je masse le visage. Je rince à l'eau. Ensuite, alors j'essaye de le faire régulièrement, le contour des yeux. C'est pas ma manie préférée, parce que souvent ça passe à la trappe. Mais si je l'ai sous la main, en tout cas, j'essaye de le mettre. Donc voilà, un petit contour des yeux Caudalie. Et pour finir, ma nouvelle découverte, une crème à la vanille qui sent, déjà qui sent super bon, mais qui surtout a une texture incroyable, on dirait de la crème fraîche. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Et là, après, je m'endors comme un gros bébé. Un gros bébé tout propre. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais c'est rapide, hein. Ça va vite, hein. Est-ce que tu fais une exfoliation de temps en temps ? Ah oui, alors. Je fais des masques et j'adore les gommages. J'essaie d'en faire deux fois par semaine, mais je m'y tiens pareil. Je m'y tiens une fois par mois. Ça dépend. Ouais. Voilà, ça dépend. Mais en tout cas, quand j'y pense, je le fais et j'adore à chaque fois.
Donc, j'utilise ce soin magnifiant de nuit de chez Rennes. Vachement bien. Et sinon, j'ai ce gommage que j'aime beaucoup, que j'ai acheté en Italie. Non, que j'ai acheté en Grèce. Et c'est à l'huile d'olive bio, aux extraits de sable de volcan et de l'eau de mer. Et ça, alors bon, je ne sais pas si ça marche vraiment. En tout cas, l'effet de mon imagination suffit pour ma part. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ta routine du matin maintenant ? Alors, le matin, moi j'aime beaucoup, 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 beaucoup dormir. Donc, si je peux gratter quelques minutes de sommeil le matin, je ne me gêne pas. Donc, souvent, je me douche le soir. Bah déjà parce que je trouve ça crade en fait de rentrer dans ton lit avec tous tes trucs de la journée et tout. Donc, je me lave le soir et le matin, résultat, je trace et je mets l'Aqua Magnifica sur un coton. Je passe ça là, tac, 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 comme ça. Ça, j'adore, ça picote un peu et tout. Ça sent le poivre, j'adore. Ça, je remets le contour des yeux si j'y pense et que je l'ai encore sous la main. Ma petite crème de vieille, comme dirait ma sœur. Ma sœur, elle était pharmacienne et du coup, je lui demandais toujours de me prendre mes produits dans sa pharmacie. Et elle me disait toujours, mais oh, je comprends pas que tu achètes cette crème de vieille. Donc voilà, Embryolisse, moi j'adore. Il paraît qu'on peut se démaquiller aussi avec, sur un coton. Et c'est tout. Et ensuite, je pars direct. Parfait. Ah non, pardon. Non, je mets aussi de... Pardon. Je prends pas beaucoup soin de mon corps, mais quand même, je pars pas le matin sans m'être hydratée la peau et je le fais avec l'huile divine de chez Caudalie. J'adore l'odeur. Ça sent les vacances, ça sent le soleil. Et voilà. Est-ce que tu passes un petit peu de temps à te maquiller ou très peu ? Très peu. Alors, je mets donc plus de mascara, comme je le disais tout à l'heure. En fait, c'est la flemme. La flemme et j'ai l'impression surtout d'être Kim Kardashian, d'avoir les cils comme ça. Donc ça, j'ai arrêté. En revanche, j'ai acheté cette palette NARS que j'aime énormément, que j'ai acheté avant l'été, que j'adore. Du coup, je me sers en fait de ces deux, comme un bleu, enfin comme une poudre de soleil. Donc je prends mon pinceau, tac tac, hop hop hop. Donc je mets le foncé, comme m'a expliqué la fille, ici. Et ces deux-là, ici. Parfait. J'ai tout écouté, c'est parfait. Donc voilà, je mets que ça. Ensuite, un petit blush Chanel quand même pour avoir bonne mine. Tac, 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 hop, 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 hop. Terminé. Ça, c'est vraiment trop pratique. Si je ne suis pas habillée trop colorée, je mets du rouge à lèvres. Et alors là, mes favoris... Bon, j'en ai 30 millions, hein, c'est ma passion. Mais on va dire que si je devais en garder que deux, ce serait Dragon Girl de chez NARS. Que j'adore et crème de lèvres mate de Sephora Wonderful Cushion, ça c'est magnifique et je mets ça en dessous, c'est-à-dire un petit je sais pas comment on appelle ça, une petit base. Ouais c'est ça, une base de chez MAC. Voilà, donc ces deux-là je les aime beaucoup, mais bon en vrai j'en ai vraiment 450, donc c'est-à-dire que je pourrais alterner, je pense, sur 5 ans sans jamais retomber sur la même couleur. C'est bien, il faut changer. Et donc après cette belle routine du matin, je sais que tu as 3 essentiels. Elle dure 3 secondes. Hein. 3 secondes. 3 secondes. Le matin, il faut que ça aille vite. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de tes 3 essentiels que tu ne quittes jamais, qui sont toujours dans ton sac à main ? Alors, mes 3 essentiels, il y a ces petits baumes Bird Bees, mais à la figue. Mais cette couleur est absolument incroyable. Je ne les trouve pas en France. Enfin, ça fait longtemps que j'ai arrêté de les chercher, mais pendant longtemps, en tout cas, on ne les trouvait pas en France. Donc ça, pareil, je me les faisais ramener des États-Unis, mais j'en ai 40. J'en ai dans toutes les poches, de tous mes manteaux, de tous mes sacs, de mes tiroirs de bureau. J'adore, je crois que j'en ai jamais fini un, tellement j'en ai toujours un autre sous la main. Je les adore. Voilà, donc ça, c'est ma passion. Ça vaut 2 balles, je pense. C'est magique. Ensuite, il y a cet enlumineur RMS que j'ai acheté sur votre site de mémoire. Donc ça, c'est donc incolore et j'en mets comme ça un peu sur le doigt et hop, hop au-dessus des sourcils. J'avais vu un tuto pour apprendre à le mettre. Donc au-dessus des sourcils là, non en dessous pardon, là, là et là. Sur les pommettes. Ouais, et je crois là, bon après, moi je me suis arrêtée juste aux pommettes et aux sourcils. Mais ça, je l'aime beaucoup. Je pense que personne ne le voit à part moi, mais j'ai l'impression que ça fait toute la différence.
Donc ça, j'aime beaucoup. Et enfin, alors ça, l'huile paillot. Je ne sais même pas quoi dire, en fait, tellement je l'aime. Je pense qu'il faut la sentir pour la comprendre. Donc ça, je fais comme ça. Hop, j'en mets dans les cheveux. Ça me remplace mon parfum. Je pense que ça leur fait du bien, au passage. C'est pour le corps. Corps, visage, cheveux, ça nourrit, ça répare, ça sublime. Et l'odeur est vraiment mais absolument incroyable. Voilà, ça ce sont vraiment mes trois indispensables. D'accord. Est-ce que tu aurais un secret beauté à partager avec nous? Je crois que mon meilleur secret de beauté, c'est le sommeil. Hein. Je dors, mais c'est indécent ce que je dors. Je peux dormir 9 heures par nuit, 10 heures par nuit. C'est-à-dire que si je sors pas, je peux me coucher en général vers à 9h30, je suis dans mon lit. À 10h, je dors et je me réveille à 8h40. Donc je dors. 5 minutes, tac, 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 et je pars au bureau. Et du coup, forcément, je suis en pleine forme. Et alors récemment, je sais que tu es partie au Portugal. Ouais, tout à fait. Et il me semble que tu as eu un coup de cœur. Alors, j'ai eu en effet un coup de cœur sur ce produit qui s'appelle Couteau. Enfin non, j'imagine que Couteau, c'est la marque. Donc, ça doit être crème des mains. Et c'est une crème pour les mains, mais dont l'odeur est vraiment mais divine. Il y avait et le packaging, j'adore. C'est ma couleur en plus. C'est du vert aqua. C'est la couleur de ma trotteur. J'adore. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le coup de cœur du week-end. Qui sent super bon. Je ne l'amène pas au bureau parce que sinon elles vont me la piquer. Elles vont me défoncer mon tube en 5 minutes. Tu fais bien le goût chez toi. Bah oui. Pas folle la guêpe. Est-ce que tu as un lieu, un restaurant, bar ou hôtel où tu as eu pareil un coup de cœur? Alors, un coup de cœur. Alors, dans les ouvertures récentes, comme tout le monde, je pense, enfin tous ceux qui sont allés en tout cas, j'ai trouvé que The Hoxton était vachement sympa. Ils sont gentils, c'est assez chouette. Et sinon, dans les endroits déjà vus et revus 200 000 fois, moi j'adore l'Hôtel Providence. Bon, merci donc, voilà. Pour tous ces tips et surtout nous avoir accueillis. Je vous en prie, merci à vous. À très bientôt. Merci. That you keep pushing the wrong button.